On a François ici qui veut donner son opinion personnelle sur les méthodes de la, la SPVM, fort de 269 constats d'infraction le 20 décembre 2020. Je pense qu'il faut tout de même féliciter les manifestants en bicyclette sur neige qui se déplaçaient rapidement pour pouvoir filmer les spectacles disgracieux que la SPVM voulait dissimuler. Mais oui, mais c'était des cadets, puis des juniors, puis des novices. Je pense que filmer les violences policières doit avoir comme premier but d'aider la victime et en second de réveiller les manifestants qui ne connaissaient pas les méthodes de la SPVM, le Club École de Police, aux gens qui sont indignés de ne voir aucun témoin intervenir physiquement sur les policiers. Les manifestants chevronnés savent qu'ils ont plus de chances d'aider la victime comme témoin oculaire et comme caméraman. Bien dit, M. François. Dommage de constater que les personnes du camp adverse, réseaux sociaux de masse, raffolent des scènes disgracieuses et en redemandent aux policiers de la SPVM. Donc, signé François, manifestant et caméraman depuis le 26 juillet dernier. Merci François, on fait tous notre part à notre façon. Ça va se corser un petit peu